plusieurs unités PNH dans nos pays mené une série d'opérations week-end passé à dans quartier Chada 1. D'après porte-parole PNH Noa Aol Jean, 5 présumés bandits mouri dans échange coup d'âme ak fos l'audio. Dimanche après-midi 28 juin 2023, et la police était dans échange coup d'âme avec des bandits dans zone Konasa et gagnent 3 nan yo qui arrivé succomber à blessure yo. Et donc yo té lagué quoi dans la mer ouais la police pral mettre main sur yo. Et ensuite la police gen salté mené à l'hôpital mais gen l'autre qui était mort sur place. Et n'a pas rappelé que opération ça fait suite à opération qui était menée samedi dernier côté que gagnent deux chefs de gang qui étaient tombés dans Chada. Yo l'autre côté inspecteur police sans fait qu'on est la police arrêté deux membres gang Canaan dans quartier Morin. Donc la police a arrêté deux puissants chefs de gang qui sont dans le Canaan et qui étaient venus établir une base dans l'Imbé pour kidnapper les gens dans la zone nord là pour gang ça. La police a arrêté dans la zone quartier Morin à proximité de l'hôpital quartier Morin. C'était le cas de. Bon, et ces deux mondes, selon information qui étaient à l'hôpital, mais la police a gagné des antennes sous eux. Mais brusquement, il y a eu une discussion entre eux, côté on n'a pas accusé l'autre. Et puis, la population qui soumène, il a informé la police. Donc, immédiatement, nous sommes sur les lieux, nous joignons. Et ils ont avoué ça. Ils ont avoué qu'ils ont en contact direct avec un gang qui est dans une 8e limbe, qui a établi une antenne. Et il y a deux personnes qui ont tenté de kidnapper, etc. Donc, il y a une grande information sensible que la police. Porte-parole PNH Noa continue à demander collaboration population. Pour la paix et tranquillité capable régner dans nos pays d'Haïti. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique.